Maladie silencieuse, le cancer de la prostate évolue généralement de façon lente et pernicieuse sur plusieurs années. Dépisté tôt, l'on arrive à le guérir sans provoquer de séquelles. Dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate, la clinique Sainte Rita de Cassia, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une campagne de sensibilisation dénommée « Faites-vous dépister » au sein de l'entreprise. Première action de sensibilisation, une conférence et les questions-réponses. C'est une maladie qui est grave parce que c'est le premier cancer de l'homme en Côte d'Ivoire. Et les hommes en général n'aiment pas venir à l'hôpital. Donc pour apporter notre pierre à l'édifice, nous avons instauré cette journée-là pour les informer et les inciter à venir se faire dépister. La deuxième étape de cette campagne consistera à des séances de consultation et de dépistage de la population. Le cancer de la prostate, c'est une maladie qui attrape surtout les sujets de plus de 50 ans. C'est une maladie qui a tendance à se localiser partout dans le corps. C'est pour cela que les malades doivent consulter assez tôt, se faire dépister pour éviter les formes évoluées de la maladie. À l'image du cancer du sein chez les femmes, le cancer de la prostate est le premier cancer chez les hommes en Côte d'Ivoire et dans le monde. Par ailleurs, cette campagne de sensibilisation se poursuit jusqu'au 30 novembre 2023.